Direction l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville vit dans un état de siège depuis les explosions du 4 mars dernier, accusation portée par l'opposition. L'Alliance pour la République et la démocratie, qui regroupe 10 formations d'opposition, dénonce pêle-mêle les barrages policiers dans le centre et aux abords de Brazzaville, les patrouilles des forces de l'ordre et les écoutes téléphoniques qui se multiplient. Un état de siège donc qui ne dit pas son nom pour l'ARD. L'opposition critique, tout comme l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'opacité de l'enquête menée par les autorités sur le drame survenu au camp de munitions de Mpila. La série d'explosions du 4 mars a fait officiellement 282 morts et 2300 blessés.